Na 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 na. What else? Cupid, she said, give me that one shot, two shot, three shot. Pass it for me, sa 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 sa. Back up, back up. What's up, la team NG? Ouais, 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 What's up, la team NG? Bon, ces boucles d'oreilles sont un peu bizarres, mais bon, on s'en fout. Ouais, donc je suis de retour aujourd'hui pour la suite de la story time. J'ai vu, vous m'avez demandé sur Instagram, sur Snapchat, c'est quand NG, tu fais la suite de la story time. C'est aujourd'hui, ok? Bon, d'abord, je vais vous présenter ma tenue là. J'ai porté un truc africain, je sais pas pourquoi, c'est pas pour sortir. Donc voilà, j'ai porté un peu de boucles d'oreilles. C'est la première fois que je mets des boucles d'oreilles aussi grosses là, comme ça. Je suis pas habituée. Et mes cheveux aussi, ah ouais, j'ai changé de cheveux. Oui, ça c'est mes vrais cheveux. Pour celles qui disent que j'ai pas de cheveux, regardez bien. Ça c'est mes vrais cheveux, regardez bien. Bien. Bien, regarde bien. Ma soeur, ça là, c'est des vrais cheveux. Hein. C'est des vrais cheveux 100% naturels, ni défrisage, ok? Pour celles qui veulent voir une vidéo sur mes cheveux, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment j'entretiens, comment je fais les entretiens, quoi, de mes cheveux. Bref, passons à la suite de la story time là maintenant. Bon, comme la story time, ça s'est arrêté sur quand tu sens que t'es en danger et que tu te retournes et tu vois. Attendez. Quand même, j'ai dit n'importe quoi. Attendez, je regarde la vidéo. Je reprends encore. Pour celles qui n'ont pas vu la première vidéo, je reprends encore. En fait, la première vidéo, elle parle de ma tante m'a surprise. Donc ça, c'est la suite, partie 2. Et donc, je disais vers la fin que je vous ai dit, j'allais faire la partie 2. Je disais, quand tu sens que tu es dans la merde, c'est que tu es dans la merde. Tu vois. Je me retourne. Je me retourne, qui je vois? Je vois ma tante. Je vois ma tante, je me retourne comme ça, je vois ma tante, je l'ai poussé le gars, je l'ai... Hey, l'accent là, quand je rigole comme ça, mais c'est pas drôle, hein. Mais hey, je l'ai poussé comme ça, j'ai dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Genre, je faisais la go comme si je le connaissais pas, alors qu'on sortait ensemble. J'ai fait, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, lâche-moi, il y a ma tante là. Il a fait, elle est où ta tante? J'ai fait, Pardon, on fait comment? J'ai dit, on fait rien. C'est bon, on nous a cramé là. Donc, tu veux faire quoi là? Tu veux faire quoi? Tu dis, on fait comment? On est déjà là, on est dans la merde. On reste à deux dans la merde, tu pars pas en fait. Tu restes avec moi, on est dans la merde tous les deux. Elle nous frappe, elle frappe toi, elle frappe moi aussi. Il dit, non, moi je sais pas, je comprends pas, on va faire comment? Oh, c'est sûr, elle va te frapper. J'ai dit, mais si tu sais qu'elle va me frapper, pourquoi tu dis, c'est sûr, elle va te frapper? Tu sais déjà, mon frère, faut pas gaspiller ta barre pour me dire c'est sûr, elle va te frapper. C'est que tu le sais, arrête. Après, j'ai dit, ouais, mais là, c'est bon, elle nous a cramé, elle nous a vu et tout. Je commence à parler. Ma tante, elle est passée comme ça, elle m'a pas vu. Après, elle a refait demi-tour, elle est venue vers moi. Et là, elle m'a dit quoi? Elle est où, Gloria? Et dites-vous, rappelez-vous que Gloria, elle était dans le casino avec la soeur de comment elle s'appelait déjà? La soeur d'Ismaël et ma copine et elle. Donc ils étaient à trois dans le casino pour aller acheter la bouffe. Donc tu vois, nous on était dehors. Donc j'ai dit, ouais, Gloria elle est à l'intérieur. Elle m'a dit, appelle Gloria. Je suis rentrée à l'intérieur. On a duré 10 minutes avant de sortir de casino. On dit, non, si on sort là, c'est sûr qu'elle va nous tuer. Je suis rentrée à l'intérieur, j'ai dit à Gloria, ouais, Gloria, on est dans là. Gloria me dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, putain, il y a tata qui m'a chopé là. Elle m'a dit, quoi? Tu as fait quoi là? T'as joué à quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Nanana. J'ai dit, Gloria, calme-toi. Non, mais là. C'est bon, on nous a cramé. C'est bon, on va nous frapper, tu vois. On peut pas revenir en arrière. Elle m'a dit, non, tu joues à quoi, Andrea? Là, c'est bon, on est dans la merde. Nanana. J'ai dit, ouais. Elle m'a dit, ouais, comment t'as fait et tout? J'ai dit, ouais, j'étais assise sur ce bar de fer et tout. Et lui, il est venu. Au début, je voulais pas faire une bisou avec lui. Il m'a dit, non, nanana. Donc, j'ai accepté, j'ai fait une bisou avec lui. Et là, d'un coup, tata, elle est sortie du coin. Elle est sortie, voilà, du coin. Elle m'a regardé, elle a fait comme ça, elle m'a pas vu et genre elle a refait demi-tour vers moi pour me dire t'es où, comme ça on rentre à la maison. Après elle a dit elle est où, j'ai dit elle est dehors, elle nous attend. Elle a
dit non, Andrea, faut qu'on dure un peu ici parce que j'ai peur. J'ai dit non. Parce qu'elle a dit on fait vite, on a 5 minutes de sortir du casino. On a 5 minutes. Gloria m'a dit non, on va faire comment et tout. Là c'est bon, on est morte. J'ai dit ouais, on est morte. Aujourd'hui, il faut qu'on envoie bien des messages à nos amis pour dire ouais, c'est bon, on est désolé pour tout ce qu'on vous a fait et tout, nanana. C'est bon, nous on va mourir, on va laisser le monde et tout, nanana. On commence à faire des films comme ça. Ma tante, elle nous a pris. On a marché avec elle. Elle a marché devant nous. Nous, on marchait derrière elle et tout, comme ça, comme des petites filles, comme ça, à marcher derrière elle et tout, comme ça. On se regardait avec Gloria. Gloria, elle a fait Andrea, tu m'as tué. Andrea, tu m'as tué. Elle va nous frapper. Je dis non, t'inquiète, elle ne veut pas nous frapper. Elle va juste nous crier. Elle a dit non, tu connais pas maman. Maman va nous frapper aujourd'hui. Je dis non, t'inquiète, elle ne va pas nous frapper. On marchait. Elle se retournait. Elle disait vous faites quoi là? Vous faites quoi? Non, elle a dit non, tata, on fait rien. Elle a dit ah. Moi je savais pas, donc c'est comme ça ce que vous faites quand vous finissez l'école, hein. J'ai dit non tata, c'est pas comme ça, c'est la première fois qu'on a fait ça. Elle a dit non, si c'est aujourd'hui que je vous ai surpris, c'est pas la première fois, c'est que tous les jours vous faites, mais comme aujourd'hui Dieu m'a donné l'occasion de vous surprendre. J'ai regardé plus rapide pour ça, j'ai fait Nara, c'est chaud. Elle m'a dit c'est ta faute Andrea. On a marché, on est rentré à la maison. Donc on est rentré à la maison. Nous, qu'est-ce qu'on fait tout le temps qu'on rentre à la maison? On rentre direct dans notre chambre. On est rentré directement dans notre chambre. On est resté en train de surfer sur les téléphones et tout, comme si de rien n'était. Hein. Mais on avait peur quand même. Mais on faisait semblant comme si de rien n'était et tout, juste pour se rassurer soi-même. Parce qu'il faut se rassurer toujours soi-même. Si on se rassure pas nous-mêmes, c'est que vraiment on sait qu'on est dans la merde. Donc ma tante elle toque dans la chambre. Elle dit ouais les filles, venez on va parler. On a commencé à parler tout avec ma tante. Elle a dit ouais, Andrea, c'est quoi, pourquoi en fait c'est comme ça que tous les jours vous faites et tout. Nous on a dit non et tout. Elle a dit pourquoi vous m'avez caché et tout, que tu as un copain. J'ai dit non, j'ai pas caché et tout. Elle a parlé doucement avec nous. Après 5 minutes après, elle appelle mon père. Dites-vous que mon père, il était pas ici en France, il était en Guyane, il était en mission parce que c'est un légionnaire. Donc elle appelle mon père, elle dit à mon père, allô, on va l'appeler comment mon père? Allô Brandon, j'ai inventé un nom comme ça, allô Brandon, ouais tu sais pas ce que j'ai vu aujourd'hui, ta fille Andrea, hein, elle sort des cours, elle va voir les garçons, elle fait des bisous, aujourd'hui j'ai des surprises. Mon père a fait quoi? Et oui, en plus elle travaille pas à l'école. Elle a des 0 partout, hein? Elle va voir les garçons. Elle fait des bisous. Au lieu de se concentrer sur l'étude, elle fait des bisous à les garçons. Moi t'as vu, moi j'étais un peu en colère. J'étais en colère contre moi-même parce que je me suis dit ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Là maintenant ça va m'insulter. Ça va vraiment m'insulter. Mon père a dit ok, c'est bon, merci. Il a raccroché. Il m'a appelé moi. Il a dit ouais, tu joues à quoi là? Au lieu d'aller à l'école, hein, toi tu es là dehors, tu vas voir les garçons. Les garçons, c'est quoi? Demain tu peux te marier même avec un ministre. C'est quoi le garçon au lieu de te concentrer sur ton étude? C'est lui qui va payer à manger. C'est lui qui va payer ça. Mon père, souvenez-vous, mon père c'est un Camerounais, donc il a un peu l'accent. Genre, il a pas trop l'accent, mais il a un peu l'accent. Quand il parle, il s'énerve. C'est lui qui va payer ton avenir. C'est lui qui paye ton école. Hein? Donc tu vas aller à l'école, là c'est pour voir le garçon. Ok. Je coupe ton forfait. Hey Seigneur, il a coupé mon forfait. Dites-vous que j'ai, en fait moi mon forfait j'avais free. Il a coupé. J'avais appel illimité. Attends, je sais pas. Non, j'avais 2 heures d'appel, je crois 2 heures d'appel, message illimité. Donc en fait c'est que par là que je parle avec lui parce que Facebook je m'en foutais de Facebook à l'époque, donc Facebook c'était pas trop mon truc. Tant que par message je pouvais parler et tout, je parlais par message avec lui, je parlais ouais, par téléphone et tout, il m'appelait souvent. Tu auras plus de téléphone, tu vas voir, on va voir comment il va t'appeler ton petit copain là, hein. Je dis lui de payer ton forfait. Seigneur, je vais faire comment? J'ai dit à Gloria, putain, toi au moins t'as ton téléphone. Gloria elle a dit, pardon, moi si je crois que maman va bientôt me couper l'internet. Pardon, Gloria, tu crois quoi? Demain je crois que maman ça va me couper l'internet. Je dis non, c'est sûr tata va pas te couper parce que tu vois t'as rêvé, tu m'as juste accompagné. Elle a dit non, peut-être tata va croire que moi si je fais pareil, mais comme toi et moi on se couvre.
Dites-vous qu'en fait, tu vois, à l'époque, ma tante, elle nous appelait Gloria la petite et moi la grande. Donc, en gros, tout ce que Gloria fait, moi, je la suis. Et tout ce que moi, je fais, Gloria me suit. C'est-à-dire que nous, on se défend mutuellement. Même si tu as fait un truc de pas bien, au lieu de te dire, ouais, c'est pas bien, genre, nous, on se suit. Genre, moi, si demain, je frappe une personne, Gloria, elle va, au lieu de me dire, c'est pas bien, genre, elle me dit deux fois, c'est pas bien, tu vois. Mais elle rentre, elle prend ma défense, genre, on se soutient mutuellement, tu comprends? On se soutient dans nos bêtises, quoi. Elle et moi, on avait beaucoup de bêtises. Ça sera sur mon prochain story time. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises, elle et moi. Bon, bref, après, j'ai pris le téléphone de Gloria, j'ai dit, ouais, allô? Oui, tu sais, mon père, il a coupé mon forfait et tout. Et là, je sais pas comment on va se parler parce que là, on peut plus se parler et tout. Tu vois, c'est mort là. Il m'a dit, ouais, comment ça se fait et tout. J'ai dit, ouais, toi-même, tu sais pourquoi? Parce que ma tante, elle nous a surprise et tout, en train de faire des bisous. Et donc, mon père, il a dit, ouais, au lieu d'aller à l'école, moi, je m'occupe de toi et tout. Nanana. Mon père a dit que c'est toi qui dois payer mon forfait. Il a dit, pardon? Il dit, oui, c'est toi qui dois payer mon forfait. Il m'a fait, non, mais t'es sérieuse et tout. Ouais, vas-y, c'est bon, toi et moi, c'est fini. Hey, j'ai dit quoi? Toi t'es malade dans ta tête. Il m'a dit c'est fini. J'ai dit toi t'es malade dans ta tête. Déjà ma tante elle m'a surprise. Déjà je suis dans la merde. Ma tante elle voulait me frapper. Toi tu me dis quoi? Toi et moi c'est fini. Il m'a dit ouais toi et moi c'est fini. J'ai même pas parlé chinois avec lui. Hein. Il a dit je veux sauter par la fenêtre. Je veux me suicider. Alors elle a dit ouais t'es malade et tout. Comment tu vas te suicider et tout? Là, t'es malade après un garçon et tout. J'ai dit non, ta vie m'a laissé et tout. Moi je l'aime, Gloria, je l'aime. Le mec va essayer d'arranger la situation entre lui et moi. Gloria, elle est partie essayer la situation entre lui et moi. Il a dit ouais, mais tu vois, maintenant je peux plus la parler et tout. On ne pourra plus être proche et tout. Je ne pourrais plus entendre sa voix. Gloria a dit mais t'es bête, quoi. Il y a Facebook, il y a Wi-Fi. Après, il a dit ouais, c'est vrai, mais Facebook, on dirait, elle ne se connaît pas souvent et tout. Gloria a dit oui, c'est vrai, en ce moment, elle n'est pas trop sur Facebook et tout. Nanana. Bon. Bref, après on s'est remis ensemble, voilà, après à un moment donné, ben, c'est moi qui avais cassé. Je vous expliquais dans un autre story time pourquoi j'ai cassé avec lui. Voilà quoi, c'est la fin de la story time. Et nombreuses, abonnez-vous, commentez, likez. Si, comme j'ai dit tout à l'heure, si t'es pas nouvelle, si t'es nouvelle, active la cloche, comme ça tu recevras toutes mes prochaines vidéos parce que mes prochaines vidéos vont bientôt arriver. Là tout à l'heure j'ai filmé une vidéo avec ma petite soeur, donc vous allez la voir pour la première fois sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup d'être nombreux et nombreuses, continuez à regarder mes vidéos, likez, abonnez-vous quoi. Et puis la team Indy, on est toujours là, mettez en commentaire la team Indy si vous voulez voir une petite vidéo sur mes cheveux. Voilà, et si vous voulez voir aussi un petit tuto, parce que hein, je me suis maquillée. Waouh! Il voulait pas se fermer, donc je suis désolée. Non, je l'ai mis comme ça. Ah! Du Wanda, hein? Mouf! Bref, donc voilà, si vous voulez voir un petit tuto make-up comme ça, basique, normal. Vous voulez voir des tutos coiffure comme ça, dites-moi en commentaire. Ou des tutos make-up comme ça, dites-moi en commentaire. Je ferai tout ça pour vous. Et puis voilà quoi. Mes cheveux ont poussé quand même. Grâce aux perruques, grâce au tissage, là, ça pousse les cheveux. On se retrouve pour une prochaine vidéo. La team Indy. Ouais. Je suis toujours folle pour celles qui ont dit non, t'as changé. Non, je suis toujours Andrea quoi. Andrea, toujours fofo. Bref, j'arrête. Kiss, bye. You look fantastic. Your body bad or bombastic. Everything you do is romantic. Romantic. When we in the bedroom, it's gymnastics. Why are you worried?